que vous aussi, vous avez envie de retrouver l'envie de faire l'amour avec votre partenaire et de désirer votre partenaire? Est-ce que vous vous sentez éteinte à l'intérieur et que vous avez l'impression que vous n'avez plus de désir et qu'il y a quelque chose qui... Vous avez perdu cette énergie vitale, ce feu sacré qui est là en vous? Ou peut-être que vous ne l'avez jamais vraiment eu et que vous avez envie de l'activer? J'avais envie de partager avec vous l'histoire de Karine et Patrick que j'accompagne actuellement en coaching de couple. En fait, Karine m'a contactée premièrement parce qu'elle sentait qu'elle avait plus très envie de faire l'amour avec son mari et qu'elle avait plus du tout de connexion sexuelle avec son mari. Ça faisait quelques mois, voire quelques années que la connexion sexuelle était inexistante, donc ils ne faisaient plus l'amour ensemble. Et ce qui était vraiment compliqué, ce qui est compliqué quand elle m'a contactée, c'est que bien évidemment c'est son mari, elle l'aime et elle a envie de retrouver cette connexion-là. Et dans tous les aspects de leur vie finalement tout va bien, ils s'entendent bien, ils ont une belle complicité, ils ont de beaux projets ensemble, ils ont des enfants ensemble. Mais la sexualité, c'est pas du tout ça et elle a l'impression d'être éteinte et que elle se sent hyper triste parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui marche plus chez elle, il n'y a plus du tout de libido. Et cette envie-là de connexion avec son mari, c'est hyper important parce qu'elle a envie aussi de s'épanouir dans sa relation amoureuse et dans sa vie amoureuse. Le boulot, ça va bien, les enfants, ça va bien. Et il y a juste cette ombre-là, ce nuage finalement dans leur vie et qui nuit à son épanouissement à elle et à l'épanouissement aussi du coup de son mari. Ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'effectivement, depuis un moment, la sexualité, ça la dégoûtait. En fait, le sexe, elle a toujours trouvé le sexe sale, dégoûtant. Elle ne ressentait jamais de sensations, en fait, pas vraiment de sensations. Pour elle, c'est quelque chose d'utile, de mécanique, mais justement, cette connexion-là, cette envie de... Ce truc-là de plaisir, cette notion de plaisir, elle ne le ressentait pas et c'était compliqué pour elle d'avoir envie de faire l'amour parce qu'elle ne voyait pas l'utilité en fait du plaisir charnel et de cette connexion-là. Et au début de leur relation amoureuse, quand ils étaient plus jeunes, ça se passait plutôt bien. Et puis finalement, après, quand les enfants sont arrivés, le fait d'être maman a pris vraiment le dessus. Plutôt que le fait d'être femme et le plaisir charnel était presque du coup inexistant. Et là, ce qu'on travaille vraiment, c'est là je travaille aussi avec, du coup, je travaille avec Karine, mais je travaille aussi avec Patrick, parce que Karine, il y a deux choses finalement qu'on travaille ensemble, c'est sa propre sexualité, sa relation à son corps, le fait de prendre du temps, le fait de se connecter aussi et de prendre le temps de s'approprier son corps, puisque quelque part, cette notion de plaisir et cette notion même de connexion à son corps, elle ne l'avait pas. Elle ne l'a pas et pour elle, c'était compliqué finalement d'avoir envie de faire l'amour alors que cette connexion à son corps, elle ne l'a même pas. Et le fait d'être touchée, d'être caressée, pour elle, c'était vraiment quelque chose d'envahissant. Puisque cette relation à son corps, elle ne l'a même pas elle-même. Donc de donner son corps ou qu'on s'approprie son corps, ça ne lui donnait pas très envie. Et ça, c'est notamment cette envie-là, ce besoin-là de... le fait qu'elle n'ait pas envie d'être touchée, ça s'est accentué, notamment après la grossesse, où elle a eu une grossesse assez difficile. Un accouchement plutôt difficile avec tout ce qui était médical, etc. D'ailleurs, les femmes qui ont eu un cancer, les femmes qui ont eu un peu un chemin médical ou des complexités par rapport au médical, ça peut être compliqué parce que le corps, finalement, il faut se le réapproprier encore plaisir quand il a été un petit peu, c'est horrible ce que je veux dire, mais un peu charcuté quelque part, pas un corps plaisir, mais plutôt un corps médical, on va dire, c'est compliqué parce qu'il faut se le réapproprier. Et ça s'est accentué d'autant plus après justement les accouchements. Et il a fallu vraiment retravailler sa reconnexion à son corps, donc de son côté, et puis aussi sa libido,
et ce désir-là avec son mari, parce que son mari, forcément aussi, avec les années, a pris du poids, son mari prend un petit peu moins soin de lui, et puis surtout, son mari aussi a perdu confiance en lui. Et ce qui est compliqué, c'est quand on se sent rejeté entre guillemets en tant qu'homme, quand on a envie de faire l'amour et puis qu'on se sent rejeté par sa partenaire, et c'est compliqué parce qu'on ne sait plus très bien quelle approche on doit avoir. Et à force de s'être senti rejeté, il a complètement perdu confiance en lui-même en tant qu'homme, s'est laissé aussi du coup aller et ne savait plus comment aborder sa femme. Parce que tout ce qu'il proposait finalement était rejeté. Et donc on travaille vraiment, quand on travaille dans le couple, on travaille vraiment à la fois chacun sa sexualité, chacun ses blessures aussi, chacun ses besoins, ses désirs dans la sexualité. Et puis on travaille aussi la relation de couple, comment est-ce que le désir, on fait renaître ce désir, cette connexion et se reconnecter du coup l'un et l'autre avec une autre, avec une sexualité qui va du coup nourrir le couple et convenir au couple en prenant soin du coup des blessures et de ce processus de guérison, parce que quelque part vous avez compris, il y a eu quand même des choses qui se sont passées aussi dans la vie de Karine. Et en même temps, processus de guérison et de reconstruction de la confiance en soi dans la vie de Patrick. Donc c'est vrai que quand on travaille comme ça dans une dynamique de couple et quand on sent qu'il y a une baisse de désir, c'est beaucoup plus profond que ça et ça impacte vraiment les deux personnes. Et si vous avez envie, vous aussi, vous sentez que votre couple est en train de perdre en connexion aussi intime et charnelle, je vous invite à découvrir la formation offerte que j'ai pour vous, où on travaille vraiment votre puissance intérieure, votre relation à la sexualité, votre relation au désir aussi, à comment vous vous sentez désiré, comment est-ce que vous désirez votre partenaire pour pouvoir entretenir justement votre sexualité aussi dans le couple. Je vous invite à découvrir tout ça et si vous sentez que vous êtes aussi bloqué vous dans votre relation amoureuse, dans votre relation intime et que ça fait un moment que ça dure et que vous avez besoin d'être accompagné, bien évidemment je serai heureuse avec mon équipe de vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne, de comprendre, de voir votre situation, de voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Et éventuellement, si on peut vous accompagner, vous expliquer comment on peut procéder ensemble si c'est quelque chose qui pourrait vous parler à vous également. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée en fonction de l'heure où vous me regardez. Et je vous retrouve dans cette formation offerte juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez retrouver tout ça juste en dessous. À très vite.